Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition journal et pour de BD. Parlons de social dans cette édition journal. Là, il faudra retenir que c'est dans les Roussayaux, les quartiers Mugunga et Selka, que la délégation de l'Église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel, accompagnée par la prophétesse Espérance ou Marie, sont partis visiter les vulnérables. Ces derniers ont remis des sacs de haricots, des riz, d'huile, du sel et des allumettes. Cela ont constitué des lots de biens remis aux familles visitées. Bienvenue Mukendi, nous signons ce reportage. Regardez. C'est donc les quartiers Roussayo, Mugunga et Seselka que la délégation de l'Église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel, conduite par la prophétesse Espérance Omarie, a pris d'assaut pour secourir les familles vulnérables en manque de biens alimentaires durant cette période de la pandémie COVID-19 qui sévit dans le monde. Des sacs, des haricots, des riz, de l'huile, du sel et des allumettes ont constitué les lots de biens qui ont été remis aux familles visitées. Les bénéficiaires, à leur tour, ont manifesté leur joie et gratitude à l'Église, et particulièrement au pasteur Jean-Marie, pour cette œuvre de charité qu'il ne cesse de prêcher par les œuvres qui accompagnent la parole de l'Évangile. Signalons que c'est le deuxième jour de distribution et d'assistance humanitaire que les SEN effectuent pendant cette période de COVID-19 qui sévit dans le monde, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma. Kwa majina wananiita Kabumba Mrefu, kwa sekretari wa village Kabale Katani. Antuka mimi nafurahi sana. Bo, ju, hakuna mtu mwenye anaweza jitolea sawa nyinyi. Kumbe ile upendo wenyewe mko nayo vraiment ni upendo mzuri sana. Muendelee kusaidia watu wenye hawajiwezi, selo na hii magonjwa yenye tuko nayo ya coronavirus 19. Kameme vraiment ni upendo kabambi sana. Amubariki na muzidishi. Amupatie shakashi. Na jamaa yake yote. Célébrité dans cette édition journal, sachez que les immondices continuent à être observés dans la plupart d'avenues dans les quartiers Mikino. Pour certains observateurs, cette célébrité peut être à la base de la propagation rapide du COVID-19 au niveau de la ville de Goma. Pour Samuel Singahehe, les habitants doivent prendre conscience, respecter les mesures pour évacuer ces immondices. Samuel Sigaïhe est dans ses propos recueillis par Pacifique Mamba, inspecteur. Regardez. Nous évoluons très bien, sans doute de sensibiliser notre population, afin que chacun puisse avoir un dispositif devant sa porte. Vous savez que notre quartier, c'est un quartier commercial. Nous sommes venus sensibiliser tous les commerçants qui puissent se placer. Et heureusement, une grande partie de la population est en train de mettre les dispositifs, ne la va jamais. Il y en a ceux-là qui n'ont pas encore fait ça. Nous les exhortons aussi d'emboîter tout le monde, d'emboîter les pas. Parce que cette maladie, ce virus-là, ne blague pas. Il est en train de tuer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas encore arrivé dans la ville. Ils se trompent. La maladie est là parce que nous avons des cas. Alors nous exhortons à toute la population que chacun puisse avoir au moins un dispositif devant sa porte. Même dans les ménages, qu'on place un dispositif devant la porte. Même les enfants, après avoir joué, ils viennent, ils se lavent les mains. Que les gens se lavent régulièrement pour éviter à ce que cette maladie puisse ravager les gens dans notre population. Que les gens puissent supporter, qu'ils regardent des silences, qu'ils rentrent d'abord à la maison. Hein, qu'ils attendent que ces maladies passent. Parce que si quelqu'un arrive là-bas avec ses virus, ça va prendre beaucoup de gens. Parce que les gens viennent de tous les quartiers. Vous savez que cette maladie, ces virus ne circulent pas. Ce sont les gens qui circulent avec ces virus. Alors, les gens doivent garder, que chacun puisse avoir et respecter les règles d'hygiène pour échapper vraiment à ces maladies.
Parlons de la santé dans cette édition journal. La République démocratique du Congo compte aujourd'hui plus de 265 cas confirmés atteints du Covid-19, d'où il faudra retenir qu'il y a 22 décès et 23 guéris selon les dernières informations de l'équipe de riposte contre cette pandémie. À Kinshasa, certains guéris sont sortis de l'hôpital et ont préféré témoigner, appelant les Congolais à ne pas se laisser distraire et de respecter à toutes les mesures éditées par les autorités pour vaincre cette pandémie. Plus l'État essaie dans cet élément choisi par nos confrères de la Radio-Télévision nationale congolaise. Le coronavirus, une maladie très dangereuse, mais pas forcément une fatalité, puisqu'il y en a qui s'en sortent. La RDC enregistre à ce jour 254 cas positifs, parmi lesquels 21 guéris. À l'hôpital de l'amitié sino-congolais de Ndjili, deux couples mariés atteints du Covid-19 viennent de rejoindre le monde libre après leur guérison. Geste symbolique à la sortie du pavillon de confinement, où on se débarrasse de sa combinaison de malades. On embrasse le personnel soignant qui va les accompagner jusqu'à leur résidence pour alerter le voisinage et éviter toute stigmatisation. Voilà ce couple, pasteur de son état, guéri du Covid-19, qui témoigne. Nous étions partis en Europe pour faire l'œuvre de Dieu. Nous étions en Allemagne, en Liège, en Bruxelles, en Hollande, à Paris. Et le Seigneur a permis que nous soyons atteints par le coronavirus. Aujourd'hui, après avoir passé 26 jours pénibles dans l'hôpital, parce que moi particulièrement, mon cas était très très difficile, les médecins étaient désespérés, ils nous ont accompagnés même jusqu'à la maison, et ils ne croyaient pas que particulièrement, moi, j'allais revenir à la vie. Dieu a fait un miracle pour ma soeur. Elle aussi, les deux premiers tests, comme moi, ont révélé que le test était positif. Mais elle n'a développé aucun symptôme. L'hôpital du Saint-Cantonnerre enregistre également ce premier cas de guérison au Covid-19. Ce monsieur qui a voulu garder l'anonymat a passé près d'une semaine et demie au département des maladies infectieuses. Près d'une semaine après la collaboration scellée entre le ministère de la Santé et le secrétariat technique contre le coronavirus, la task force et l'hôpital du Saint-Cantonnerre. Ce patient guéri est la conjonction des efforts pour venir à bout de cette maladie. J'ai reçu de soins appropriés et maintenant je suis guéri du coronavirus. Donc, il faut venir vite en cas d'alerte. C'est un message que j'envoie aux amis. Merci. Le personnel soignant témoigne et certifie. C'est notre patient qu'on avait reçu ici, un cas d'infection à coronavirus. C'est une maladie réelle, ça existe. Le patient était venu ici, on l'a prélevé, on a envoyé un INRB qui a confirmé l'infection à coronavirus. Il a suivi son traitement ici jusqu'à la fin et quand on a fait l'examen contrôle, il est revenu négatif. Donc notre papa est déclaré guéri. Le ministre de la Santé n'a cessé d'insister sur le fait de se présenter à temps au centre de prise en charge pour garder intactes ses chances de guérison. Il faudrait vraiment, quand vous êtes malade et que vous êtes diagnostiqué, et vous avez le coronavirus, venez dans un de nos centres, dans une de nos structures de santé, pour que vous puissiez être soigné gratuitement. Donc ne prenez pas de médicaments à la maison. L'automédication n'est pas conseillée dans ce cas-ci. Malgré la virulence de cette pandémie à l'échelle mondiale, la RDC, avec peu de moyens, arrive jusque-là à tenir le gouvernail d'une crise sanitaire en pleine tempête.
quittons la ville Provence de Kinshasa vers la ville Provence du Nord Kivu. Sachez que les activités de la société civile du Nord Kivu plaident pour la prévention du coronavirus dans les milieux carcéraux. Ce dernier montre un danger qui guette les prisons de cette province suite à cette pandémie. Il sollicite à la justice les désengorgements des milieux carcéraux pour limiter la chaîne des contaminations. Angui Batundi est dans ses propos réglés par Jérôme Tchikourou. Une pandémie qui décime la planète, où nous sommes dit que la population carcérale est doublement exposée. D'abord par le fait qu'il y a de nouveaux détenus, de nouvelles personnes qui sont mises sous mandat d'arrêt provisoire et transférées dans des prisons. Alors qu'il y a déjà de la promiscuité qui gangrène nos maisons carcérales. Et ça nous inquiète en fait, parce que en voyant la manière dont la pandémie est en train de causer des décès, aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 100 000 décès à travers le monde. Et ça nous inquiète et on se dit si on enregistrait un seul cas dans une prison, ça sera catastrophique. Alors, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous venons d'adresser une note de plaidoyer aux autorités, à l'autorité provinciale, pour que des mesures idoines soient prises pour prévenir toute propagation du coronavirus dans le milieu carcéral. Notre niveau, il ne faudrait pas attendre que le pire arrive pour commencer à prendre les dispositions. Donc il faut déjà anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est anticiper. Donc on doit déjà réfléchir sur des scénarios pour éviter qu'il y ait des contaminations. Parce qu'un seul cas dans une prison risque de rendre la situation incontrôlable. Et c'est ce qui nous pousse au fait à réfléchir à haute voix pour demander aux autorités de prendre des mesures. Heureusement que pour la province du Nord Kivu, il y a déjà quelques actions qui ont été posées dans ce sens-là. Et sur le plan international, avec 28 000 décès, dont 2569 cas dans 24 heures, les États-Unis sont aujourd'hui les pays les plus touchés à part cette pandémie au niveau mondial. Le président américain Donald Trump multiplie des décisions à part la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Le président américain menace de dissoudre le Congrès, une situation qui prouve que l'administration Trump se trouve en difficulté face à cette pandémie. Plus de détails, c'est avec nos confrères de France 24. Regardez. Séquence inédite dans la salle de presse de la Maison Blanche. Donald Trump, tout sourire devant un clip retraçant sa gestion de l'épidémie de coronavirus face à des journalistes médusés. Car cette vidéo, montée à la gloire du milliardaire américain, omet les failles dans ses prises de décision. Déni de l'épidémie, retard sur les mesures à prendre pour combattre le coronavirus et refus d'un confinement à l'échelle du pays. Interrogé sur ces questions, le président américain s'en est directement pris aux journalistes. You bought yourself some time, you didn't use it to prepare hospitals, you didn't use it to ramp up testing. You're so disgraceful. We've done this right, and we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be good. Depuis que l'épidémie de Covid-19 frappe les États-Unis, le président américain multiplie les actes d'autoritarisme, notamment lorsqu'il suspend les crédits accordés à l'OMS, accusé par Donald Trump d'avoir couvert la Chine au début de la crise, ou lorsqu'il menace d'annuler les mesures de confinement mises en place par les gouverneurs des États au détriment des mesures de sécurité sanitaire. The federal government has absolute power. It has the power. As to whether or not I'll use that power, we'll see. I would rather work with the states because I like going down to a local government. Avec ses points presse quotidiens, Donald Trump voulait montrer l'image d'un chef en guerre contre l'épidémie, pas celle d'un président quelque peu dépassé par les événements.
Parlons de la région avant de boucler complètement cette édition du journal. L'enseignement sur l'orgueil était bénéfique pour les fidèles de l'église chrétienne pour toutes les nations. Emmanuel Houlebert et Jean-Marie a montré comment cet esprit de l'orgueil attire la mort dans la vie de plusieurs personnes, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Plus de détails, c'est dans cet élément choisi par Pauline Bitty. Mais pourquoi? À cause. Sababu. Yeloko ye komeli Abel. Yakito ambacho kimemfikia Abel. Ezana watu msusu dans la vie. Kuna watu wengine katika maisha. Bakolinga te yo evolue. Hawawezi penda wewe ufanyikiwe. Bakolinga te yo pambwa. Hawawezi penda wewe ubarikiwe. Susi na bango. Haja yao. Zalaka kaka nengo zalaka. Ubakie gisi tu na kuwaka. Una siku utapima kufanyikiwa. Obievina yo mekiko change. Wala maisha yako unapima badilika. Ukoyaba le vrai ennemi. Utajua maadui wa kweli. Parce que Caïn, maana Kaini, amoni si face na ye. Aliona sura yake. Tangu Abel, wakati Abel, aza accepte. Amekubaliwa. Zambia ye misi Caïn. Mungu akamwambia Kaini. Soko salibo lamu. Ungalifanya mema. Okonti mama. Ungelikubaliwa. Mabeza na porte na yo. Uofu kwa mlangoni mwako. Longa. Shinda. Kayako kite. Kaini hakuweza. E Bible zoloba. Na Biblia inasema. Caïn. Kaini. Asotele Abel. Akamrukia Abel. Abomi Abel. Akamuua Abel. Abeli akufi. Abeli akakufa. Makile tangi na elanga. Damu ikamwangika mshamba. Mtu azate. Hakuna mtu. Et après Abeli kokufa. Na kisha Abeli kufa. Continue na lecture. Endelea na usomi. Zambia zo interveni. Ndipo Mungu akajitokeza. Neuf. L'Éternel dit ta Caïn. Où est ton frère Abel? Zambia lobi na Caïn. Mungu akamwambia Kaini. Où est ton frère Abel? Ndugu yako Abel ni wapi? Zambe azotuna. Mungu iko na swali. Azotuna Kaini. Iko na mswali Kaini. Alobi où est ton frère? Anamwambia ndugu yako iko wapi? Zambe yebi makamunyoso. Mungu anajua kila kitu. Mais pourquoi azotuna mtu? Lakini kwa nini amemswali mtu? Liwe sana maboko kwa mtu. Kifo kinachotokea kwa mkono. Atuni Kaini. Akamswali Kaini. Où est ton frère? Ndugu yako iko wapi? Ton frère Abel. Dugu yako Abel. Asa wapi. Iko wapi. Et c'est avec cette information de l'église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, que nous bouclons complètement cette édition journal. Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne du Retour à la Parole. Portez-vous bien. Au revoir à la prochaine.